Bonsoir et bienvenue à Fort Boyard. Comme vous pouvez le remarquer, les nuages et la grisaille se sont invités sur le fort. Pas besoin d'être un grand marin pour prédire que l'aventure d'aujourd'hui sera venteuse, pluvieuse et périlleuse pour nos candidats. Et en parlant de candidats, faisons connaissance avec ceux d'aujourd'hui. Et sur le fort, il faut une bonne dose de courage pour réussir les épreuves et une bonne dose d'humour pour affronter les difficultés. Mais ça, notre équipe du jour ne devrait pas en manquer, puisque nous avons avec nous Thomer Sisley, humoriste, le spécialiste français du stand-up, un genre comique dont il a d'ailleurs donné le titre à son spectacle. Cyril Hanouna, il cumule tous les talents puisqu'il est à la fois animateur, humoriste, auteur et comédien. Julie Reynaud, complice de Cyril et animatrice de l'émission Télé ma télé sur TPS Star, tous les dimanches à 13h30. Cédric Delceau, comédien et véritable passionné de sport. Louis Laforge, journaliste et présentateur de Soir 3. Et Sly, chanteur R&B. Il est l'artiste phare de la scène afro-antillaise actuelle, comme le démontre le succès de son dernier album, Florilège. Ils vont jouer ensemble pour l'association Enfants du Monde, Droits de l'Homme. Et ils ont décidé de nous prouver que l'union fait la force. Alors souhaitons-leur bonne chance et surtout, bon courage. Ils arrivent en petite foulée, ils ont raison car la passerelle est quelque peu glissante, il faut bien le dire. On va courir plus lentement. Fais attention, accompagné par Sarah, bien sûr. Bonsoir Sarah. Et bonsoir à vous tous. Bonsoir. Ça va bien, ça va bien. J'espère que vous allez bien vous aussi. Oui. On est très heureux de vous avoir avec nous pour cette aventure qui vous attend pendant eh bien, à la fois cette fin de journée et puis demain matin aussi. Sans parler de la nuit, mais vraiment c'est encore autre chose. On vous réserve quelques surprises. Alors Julie a beaucoup de chance. Ah bon? Tu es la seule fille. On peut voir ça comme une chance. Enfin, oui, moi je vois ça comme une chance. Mais bon, voilà, donc je pense que tu vas être soutenue, encouragée et puis... Je crois qu'on va beaucoup t'utiliser, entre guillemets. Ouais, alors, vous avez un cri. Je ne maîtrise pas toujours tout dans cette émission. Alors, mais... avant de faire votre formidable cri de guerre, peut-être qu'on va parler de l'association. Qui souhaite en parler? Alors, on a désigné Louis Laforge. Louis, parce que c'est plus sérieux d'autre. Comme ça aussi. La concision et le professionnalisme de Louis. D'habitude, j'ai un prompteur, donc là, ça va être un peu plus compliqué. Non, mais avec Julie, on va vous parler effectivement de cette association Enfants du Monde, Droits de l'Homme. C'est une ONG qui a bientôt 20 ans et qui s'occupe en France mais surtout dans le monde entier sur des zones de conflit, voilà, des enfants qui sont victimes des guerres, victimes des catastrophes naturelles, des enfants soldats, des enfants des rues, des enfants handicapés. Il faut des sous, vous allez en donner, nous on va en recueillir un maximum. Alors, toujours avoir les enfants en tête pour récupérer un maximum de boyards. Et maintenant le cri de guerre, à vous l'honneur. Tous ensemble pour les enfants du monde. Mais pas pour les enfants qui sont pas dans le monde, vas-y. C'est bon. Donc ça, c'est fait. Ah ouais. Ça, c'est fait. C'est bon. On rigole, mais sachez que vous allez beaucoup moins rire dans un instant. 45 minutes seulement pour récupérer les 7 clés. Ça, c'est la première phase de l'aventure. À partir du moment où le gong résonnera. Et puis ensuite, eh bien, nous verrons bien s'il y a des prisonniers ou non, matière à sacrifice ou non. Tout cela réponse dans quelques minutes. C'est la boule, c'est pas grave, ça se guérit. Passe-partout, on te suit, c'est parti. Allez. Au départ, c'est toujours comme ça. Très enthousiaste, et c'est après que ça se gâte. Pour entrer dans la salle du trésor, l'équipe doit tout d'abord déverrouiller la porte qui la protège. 7 clés sont nécessaires. Elles s'obtiennent en réussissant des épreuves physiques ou en répondant correctement aux énigmes du père Foura. Attention, si un candidat ne sort pas d'une épreuve avant la fin du temps imparti, il est fait prisonnier et envoyé dans les cachots de Fort Boyard. Pour cette première épreuve, comme il pleut légèrement, j'ai décidé d'en mettre 2 à l'abri de la pluie. Pas à l'abri des difficultés pour autant. Ce sera Thomas et Cédric. S'il allez. Vous plaît. Oula. Présentez-vous allez, à la porte. Allez. Bonne chance à vous deux. Thomas, pense à la boule. Allez-y. C'est une nouvelle cellule de notre édition 2005. Attention. Alors il y a des règles comme ça, ou plutôt des réflexes à acquérir. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ok. D'accord. Le premier, c'est de toujours repérer la clé. Est-ce qu'il est c'est bon, Cédric? C'est bon, j'ai l'impression que vous allez repérer. Toujours surveiller la clé psy. Ça, c'est le deuxième réflexe. C'est bon là? Vous avez vu la clé ou pas? Tu me l'as dit, c'est bien. Hey. Attends, une seconde. La clé se trouve du côté du commerce. La clé. Non. Vas-y. La clé se trouve vas-y. Oui. La clé se trouve du côté de commerce. Alors, et c'est vraiment une cellule de communication. Ils vont devoir vraiment. Pas les grandes jambes. J'ai la deuxième. La corde déjà et les paroles. Est-ce qu'ils avancent bien? Il faut qu'il y en ait un en avance. Mais ton petit jambes, je dis. Là, ça va pas du tout parce que Thomas est très en avance. Ce qui fait que. Et il faut qu'il repasse la corde à chaque fois. Ah ouais, d'accord. Et s'il est trop en avance, il ne pourra pas repasser la corde. Donc Cédric se trouvera en difficulté. Thomas,
Alors ouais, là, ça va ralentis. Parce qu'il arrive à la récupérer. Ralentis, j'arrive. Et à un moment donné, il se trouve bloqué parce qu'il n'aura pas accès à la corde. C'est ralentis, Cyril, pour attendre Cédric. Ralentis pour attendre Cédric. Alors maintenant, que Tomer l'attende. Il ne peut rien faire sans Tomer. Attends, vous avez du temps là, c'est bon. C'est bon. Attends là, attends. Et si c'est il arrive, c'est vraiment un coup. Essaye de me sortir la. Ah ouais, c'est pas bon là. La dernière là. Si, c'est bon. Il a l'air de zébrouiller, mais là, il faut faire la corde. Il donne du mousse sur la corde. Voilà. Essaye de me la sortir la dernière là. Donc il doit retourner en arrière. Retourne en arrière, Tomer. Vas-y, sors là. Retourne en arrière, Tomer. Lâche de la corde. Essaye de la choper. Lâche pas, vas-y. Vas-y. Pas là. Ah, c'est bon, ok. Voilà. C'est bon. Ok, bah okay. Et là, ensemble, à la fin, ils doivent... On y va. Ok, c'est bon. Attention, en même temps. En même temps, vous soulevez. En même temps, les mecs. Allez, vas-y. 2, 4, 3. C'est bon, vas-y, yes. Vas-y, vite. Vas-y, c'est bon. Magnifique. Bravo. Magnifique. Super, bravo. Bravo. En plus, j'ai même gagné du temps. Bravo. Première clé que tu peux donner à passer. C'était facile. Magnifique. Bravo. Super. Très belle équipe. Très belle équipe. C'était facile. On va essayer de trouver une cellule un peu plus difficile alors. En règle générale, j'aime bien quand les premières cellules, on n'a pas la clé. Toi, t'as changé, toi. J'étais plus gentille avant. Maintenant, je suis devenue très méchante. Je suis méchante parce que. Allez, on y va. Vous avez terminé avant la fin de la clepsydre. Vous avez très bien démarré. Voilà, qui commence formidablement bien. Oh, très bien. Bravo Tomer, bravo Cédric, vous avez été formidable. On n'est pas perdu de temps. Tu de plus. Je dirais que c'est Cyril qui s'y est collé tellement il est. Je suis au bout du rouleau, je vous ai tellement soutenu que j'étais à fond dans l'épreuve. Alors, il y a un dicton sur le fort qui dit, quand on a des candidats à l'appel, à la louche, on a des ennuis à l'appel. Bon, j'ai l'impression que tu as raté ton lancement, donc vous allez couper les mecs et on va le refaire. Il assume. J'assume ce dicton foireux et foiré, il faut bien le dire. Non. Et le problème, c'est qu'il va falloir faire mentir ce dicton. Et pour ce faire, j'ai demandé à Julie et à Cyril. À vous de ne pas foirer l'épreuve. Tu vas me charrier, toi. Tu comprends? Attention, c'est parti. Alors, il s'agit des louches. Ils vont devoir utiliser les louches. Ah ouais, c'est les louches. Dans la réserve de sel. D'accord, tu me donnes le sel. Il y a un réservoir de départ dans lequel il s'est trouvé énormément de sel. Il va prendre ce sel, remplir les louches à ras-bord. Mais alors, c'est maintenant que ça se complique. Parce qu'il ne faut évidemment pas mettre de sel à côté. Et là, j'ai l'impression qu'ils en perdent. Non. Oui, si. Ça va. Alors, évidemment, ils doivent faire un minimum de trajet. Parce qu'ils doivent transvaser les louches d'une autre. Pour finalement mettre du sel dans le réservoir d'arrivée. Prends ton temps, Julie, t'as tout le temps. Attends, vas-y, faut que tu la prennes. Pour combien de louches, elle va pas là pour. Ça dépend d'eux et ça dépend de ce qu'ils sont capables de garder. C'est-à-dire oh, de... Super, en admettant qu'elle soit pleine. En admettant qu'elle soit pleine, normalement deux trajets suffiraient. Donc on va dire trois. Vas-y. Non, s'ils se débrouillent bien. Super. Alors, prenez votre corps, c'est bon, tout va bien. Il faut qu'ils se dépêchent quand même. C'est bon. Et là, je le mets où là? Je le mets où là? Là, pour l'instant, ça va, mais on ne sait pas. On le met où là? Parce que l'avenir proche. Il le met où là? Je le mets où? Là, vous en êtes, je sais pas, à la moitié. Là, ils doivent mettre ça dans la réserve de l'arrivée. Alors, ils sont tombés dans le petit piège qu'on leur a tendu. C'est pas grave, il y a une aile de requin. Remonte, tu peux le remonter. Oui, voilà, avec la louche, il peut utiliser la petite aile de requin, comme moi j'appelle ça comme utilise ça. Utilise la barre de la louche pour le remonter. Avec la louche. À ta droite. Et c'est là, allez, c'est là où il peut perdre du temps. Alors, qui redresse la louche vers lui. Redresse la louche vers toi. Voilà, et maintenant, tu sais ce qu'il ne renverse pas de sel. Sur la ville, t'as pas. La cuisine de la maison. Attends. Dommage. Voilà. Attends, on a une verse de sel, pas à côté. C'est bon, on a une clé en moins. Dis vite sortir, il fera jamais les points. Voilà. Allez, vas-y. Voilà. Alors, s'ils peuvent faire ça une deuxième fois... T'as mis trop de sel, c'est trop salé. Allez, repartez une deuxième fois. S'ils peuvent faire ça une deuxième fois sans perdre de sel et très rapidement... On en est où, là? Éventuellement récupérer la clé. Puisque le sel fera beaucoup de poids, il libérera la clé. Mais surveillez bien la clé. Sors. Je trouve que... Sors. T'as été un petit peu trop rapide dans le sort. Vous pouvez vraiment attendre. En tout cas, moi, je vous donne des indications parce que j'ai l'habitude. C'était mort, là, quand même. Merci. Tu seras pas allé au bout, là. Bah, déjà, avec Cyril, c'était mort. Mais non, mais sans déconner, tu nous as pas dit pour le couvercle. Si, mais non. Mais planté-le.
Mais bloquez-le, ce couvert. Je prends un malin plaisir à attendre que vous tombiez dans le. Non, il n'y a pas de budget sur cette émission, il n'y a pas de budget. Tu restes là. Allez. Bon, c'est pas grave, vous aviez déjà eu une première clé et on va retrouver Olivier en compagnie du père Fouras. Chérie. Oui, ça, ici, il y a un moment de grande émotion. Une énigme vient de naître et ses premiers cris sont « Louis, Louis, Louis !» Alors, je pense que le mieux, c'est que Louis vienne. Quand une énigme crie comme ça, le mieux, c'est que le père vienne. Voilà. Alors, père Fouras, comment ça... Ah, attention, Olivier, enfin. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez failli écraser Bubu. Qu'est-ce que c'est, Bubu? C'est Bubu, mon nouvel animal de compagnie. Oui, j'avais pensé prendre une autruche, mais je me suis dit, elle va être un peu à l'étroit, en vigie. Alors, j'ai opté pour un animal plus petit, plus intelligent aussi, le bulot. Oui, c'est étrange, ça, n'est-ce pas? Mais dites-moi, vous n'avez pas des problèmes de communication avec cet objet? Vous rigolez! C'est un animal très affectueux, très joueur et très obéissant aussi. Il fait tout ce que je lui demande, tout. Attendez, mais enfin, tout le monde sait très bien qu'un bulot, ça n'a pas d'oreille. Ah, vous voulez une petite démonstration, vous? Bon, d'accord, très bien. Bubu! Tenez, reculez un peu parce qu'on ne sait jamais. Hein. Bubu! Ne bouge plus! Bien, Bubu, c'est bien. Alors, t'es satisfait, là? Ah non, c'est formidable. Non, mais là, j'avoue, je suis sans voix. Dites-moi, Olivier, j'ai pas eu le temps ce matin de le promener. Ça vous dérangerait de vous faire un petit tour du fort? Bah, évitez les cuisines, parce que vous savez, un accident est vite arrivé. Hein. Bien sûr, bien sûr. Oh, alors, ce Bubu, vraiment, là, j'avoue que j'en apprends tous les jours avec. Incroyable. Ah, Olivier, je lui ferai avaler n'importe quoi, même un bulot. Ah, la vie me paraît vite déjà, sans mon Bubu et sans Olivier. Mais, tiens, j'entends un candidat. Bien, je vais tenter de l'apprivoiser, lui aussi. Oh. Venez, mettez-vous en place. Bonjour, mon cher Louis. Je sais qu'il Enchanté. Fait un peu sombre, mais bonjour tout de même. Ravi de vous voir en chair, en os et en poil. Oui, mais écoutez, c'est toujours un exercice périlleux de présenter à un présentateur. Alors, je me présente, père Fouras. Louis Lafort. Voilà, et bien voilà, bah, finalement, c'est pas si difficile que ça. Bah, il ne me reste plus qu'à vous présenter l'énigme. Je pense que vous allez bien vous entendre. Je ne sais pas, vous m'impressionnez. Avec Louis, ah oui. Ah, je vois, vous tremblotez un petit peu. Oui, mais en plus, j'ai couru, on a couru, là. Oui, puis disons qu'il fait un peu froid. Non, même pas une bonne excuse. Bon, écoutez, voici l'énigme. Oiseau réputé tapageur, outil nécessaire au grimpeur. Devant la glace, il peut servir. C'est un sommet dur à gravir. Qui est-il? Je répète, oiseau réputé tapageur. Outil nécessaire au grimpeur. Devant la glace, il peut servir. Effectivement, c'est le pic. Mais oui, le pic vert, le pic est une petite pioche, le pic à glace, et puis le pic de montagne. Et bien, je vous remets la clé. Eh bien, merci beaucoup. Alors, ben, voyez, ça se passe bien. Parfait, merci. À bientôt. Bientôt. Quelle émotion. Il faut être au sommet pour trouver le pic. Bravo, très bien. Bon, un petit moment de flottement avec Julie et Cyril, mais rien de très grave. Oui, Cyril, on va dire Cyril. C'est un problème lié à Cyril, essentiellement. Pour l'épreuve qui vient là, je vous propose un petit concerto à quatre mains. Voilà, oui. Ça s'appelle la symphonie de la barrique, plumes et goudrons. C'est très joli, vous allez voir. Simplement, il faut bien sûr des gens qui sachent qui connaissent un peu la musique. Sly et ta mère, c'est pour vous deux. Attention. Allez. Musique, maestro, c'est parti. Pense à la boule. Alors, première chose, repérer la clé. Cyril, je te sens bien en forme, tu vas leur parler. Non, mais vas-y. C'est ça, la clé, c'est ça. Alors, attends. Cédric. Vas-y. Julie, tu peux aussi leur parler. La clé est au fond. La clé n'est pas au fond. Ça y est. Elle est là. Bon, Louis, déjà bravo. Merci. Deuxième clé, passe partout. Sarah, ma chérie, alors, ce qu'il faut faire, c'est
libérer les trois cadenas qui attachent la clé. Pour ça, ils doivent amener la barrique aux clés, car les clés sont attachées. Ils ne peuvent pas prendre les clés pour ouvrir les cadenas. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est très bien, là. Ils amènent la barrique aux clés. Ils essayent la clé sur les trois cadenas parce que forcément la clé va ouvrir l'un d'eux. Okay. Alors déjà, ils ont dépassé la première clé. Ils font pas ça dans l'ordre. C'est leur choix, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ils avaient une première clé après au début, mais vas-y, continue. Voilà, maintenant qu'ils sont là, qui ne bougent plus et qui tentent d'ouvrir le premier cadenas. Elle se décroche, hein. Elle se décroche, voilà. La clé, Thomas. Ouais, c'est bon. Vas-y, prends ton temps. Essaye bien. Alors, il y a autre chose que tu peux leur dire, en tout cas les prévenir, c'est qu'une fois qu'ils auront réussi à libérer les trois chaînes, ils vont récupérer la clé. Il ne faut pas qu'elle tombe dans les plumes, parce qu'à ce moment-là, on est mort et on a trouvé la clé. Déjà, c'est bon, déjà, ils ont ouvert un. Okay. Alors, ils ont ouvert un cadenas, maintenant ils sont sur le deuxième. Vas-y. Thomas. Ouais, quoi? Une fois que vous aurez récupéré la clé, la laisse pas tomber dans les plumes, il faut que vous la preniez direct. Ok. Sinon, c'est mort. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé en 62. Avec Guilux, donc faites gaffe. On a le temps? Ouais, encore. Ouais, vas-y. Attends, vas-y. Non, maintenant, accélérez, les mecs. Super vite, les mecs. C'est parti, je te l'envoie. Vite. Vas-y, c'est facile pour sortir de la cellule, c'est pas une cellule qui est compliquée. 30 secondes. C'est bon, t'es au bout, là. 30 secondes, mais alors là, vraiment très rapidement, parce que passe-partout, je le sens au tac. Allez. Si on ouvre les trois cadenas, c'est pour récupérer la clé. Mais elle était pas attachée à la clé. Si, quand tu l'as vue, la clé, quand t'es rentrée. Mais ouais, Elle était attachée, tu l'as touchée, tu l'as montrée du doigt. Tu l'as montrée. C'était à l'entrée. Mais non, tu l'as touchée, elle était sur le tonneau. En fait, vous avez déverrouillé les chaînes sans savoir pourquoi. Non, mais si, j'ai perdu de vue, moi, la clé. Moi, j'étais en... La clé, tu l'as touchée au début, tu l'as touchée. On trace, t'as raison. Mais allez, on s'y passe partout, c'est pas grave. On est toujours tous ensemble, il n'y a pas de prisonniers. Allez, go. Alors, ils ont réussi, mais ils n'ont pas eu la clé. Non, c'est ce qui s'appelle une réussite en demi-teinte. Mais bon, heureusement que vous êtes sorti indemne de cette histoire parce que. C'est pas grave, je vous l'avise quand même. maquillage. C'est un honneur. Alors, pour cette épreuve-ci, je propose que vous remontiez la pente. Enfin, que Cédric, surtout, remonte la pente. Hein, c'est important, vu que vous n'avez pas énormément de clés depuis un moment maintenant. Ça a moins marqué. Attention, Cédric. Prêt? C'est pour toi. Et c'est parti. Allez, vas-y, Cédric. Alors là, on va porter sa voix. Quelqu'un qui porte bien sa voix, parce que... Il se trouve loin de nous, dans la cellule. C'est le mur glissant. Ah ouais. À droite. Donc, oublie pas à droite. Il peut utiliser les prises, il peut aussi s'aider du mur. Tu peux à droite, essaye de prendre de l'élan. Oui, il y a deux tactiques. Soit il va très vite, il ne s'arrête pas. Soit il va très lentement et il s'accroche sur chaque prise. Ça, c'est lui qui prend. Comme il le sent. Cédric, essaye de rester collé à la paroi. Plus tu seras collé contre le mur, plus ce sera simple. Là, il évolue, j'ai l'impression. La prochaine prise, elle est hyper éloignée. Ah, là, il va falloir qu'il fasse sa droite. Il va falloir qu'il fasse un petit saut, là. Alors là, il est un peu choqué parce qu'il ne sait pas où aller, mais c'est bien. Joli. Il est pas loin de la clé, il peut la récupérer. Il paraît que t'es pas loin. Tu la vois, la clé. Ah, elle est à ta gauche. Bien. Super. Joli. Bravo. Magnifique. Oh, c'est super. Tout doucement, surtout qu'il ne l'arrache pas. Qui l'a dans notre équipe, c'est bon. Lui, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un petit mousqueton. Il y a un mousqueton. Voilà, super. Bon. Ouais, super. Bravo, on descend, bravo. Elle n'est pas évidente, cette cellule. Mais là, je. Il a bien franchi. Hein. Pour être honnête, vous m'épatez un petit peu. Ah oui? Ouais, même un petit peu pour vous. Bravo! Ouais. Bien. Une troisième clé. Hein, on gagne encore une fois du temps. Je vais te laisser ma carte. Vous gagnez encore une fois du temps. Bah, c'est parfait. Bon, on continue comme ça. Avec un peu de chance, vous allez même gagner du temps demain sur la salle du trésor. Allez.
Alors, l'ont-ils eu ou ne l'ont-ils point eu? Je connais cet endroit et je ne sais pas pourquoi. Ils l'ont eu. Moi. Bravo. Enfin, il l'a eu. Que dis-je? Ils l'ont eu. Non, on est un esprit d'équipe. On l'a eu. Je suis d'accord avec ça. On l'a eu, c'est vrai. On est une équipe. Quand on a une clé, on l'a ensemble. Quand on l'a pas, on l'a pas ensemble. Quand on l'a pas, c'est bien. C'est bien. Bon, alors ici, il y a comment dire, un objet qui est long, cylindrique, assez instable. Ce n'est pas un smeudebrut. Non, c'est un cylindre. Et c'est pour Julie. Forcément. Ah. Ça y est, bonjour. Allez, Julie, on te regarde. Heureuse, Julie. Pourquoi jamais d'hommes qui font cette cellule? Parce que les hommes sont moins doués pour c'est cette cellule. Parler, là. C'est tout. Ah, c'est le cylindre. Jean, c'est parti. Vas-y, Cédric. Vas-y, parle lui. Bon, Julie. Allez, où, là? On va effectivement l'admirer, hein, parce qu'elle va être très très belle sur son cylindre. Ah bah oui. Mais on va aussi la conseiller de façon à ce qu'elle récupère cette clé. Donc première chose, c'est toujours regarder la clé, toujours, toujours, toujours fixer bien la clé. Là, elle va pas trop grave, vite. C'est pas grave. Elle va trop vite. Julie, va pas si vite. Voilà, elle va trop vite. Il faut bien qu'elle se mette à califourchon, comme si c'était un cheval. Prends ton temps, prends ton équilibre. Les jambes doivent entourer le cylindre. Voilà. Prends ton temps, prends ton temps, les jambes. Et prends ton temps, Julie. Tu vas faire rigoler. Vas-y. Julie, rigole pas, vas-y, c'est bien. Faut qu'elle soit plus à califourchon, franchement. Faut qu'elle entoure plus le cylindre. Il me reste combien de temps là? Et vraiment qu'elle entoure. Prends ton temps, mais toi bien à califourchon. On n'a pas peur d'avoir une position désagréable, c'est pas grave. Julie, essaye d'enlever ton t-shirt, tu seras plus à l'aise. Va doucement, t'as le temps encore. Ne me faites pas rire. Toujours véritablement le cylindre avec ses jambes. Là, tu vois, il y a ses pieds qui sont derrière. Laisse tomber tes pieds vraiment sur l'extérieur, t'auras plus d'équilibre. Regarde bien la clé, vas-y, tout cool, t'as le temps. Surtout, voilà, là, elle a remis ses pieds en arrière. Elle évolue plus lentement. Julie, vas-y, plus doucement et laisse tomber tes pieds sur les côtés. Regardez, elle sur a... toi, juste avec les bras. Voilà, là, c'est la bonne position, mais alors là, elle a été trop vite. C'est pas votre technique, hein. Qu'elle se colle doucement. T'es à la moitié du temps, là, t'as encore le temps. Non, ouais. Laisse bien tomber les jambes, laisse bien tomber les jambes. Et alors, quand elle passe d'un cylindre à l'autre, là, très lentement. Voilà. Voilà, c'est bon, doucement. Doucement. Va pas plus vite que ça, tu peux le faire. Les pieds, là, ça va pas, les pieds. Laisse tes pieds sur le côté. Voilà. Comme si elle était accrue sans selle, sans cheval. Quand tu passes d'un cylindre à l'autre, il faut que tu le passes juste avec les bras. Laisse les jambes sur les côtés. Vas-y. Entoure bien le cylindre. Voilà, comme ça, c'est bien. Regarde devant toi et toujours comme ça. Mais ouais, arrête, ne pousse pas sur le cylindre. Juste avec les bras. Laisse les jambes sur les bords. C'est ton dernier essai. Si elle tombe, elle... C'est ton dernier essai, prends ton temps. Tant qu'elle est dessus, laisse tomber. Allez, on sort, Pas évident, hein. C'est magnifique, c'est le dernier, beaucoup. Non, mais tu vois, ça c'est une épreuve, même Caroline Barthé elle a réussi, tu vois. Ouais, t'étais très belle en tout cas sur ton cylindre, aussi passe partout et c'est pas grave, ça fait un petit peu d'avance. Allez, on continue. Allez, bravo. Pourquoi donc? Parce qu'il a réussi à rattraper. La course, il était tout derrière. Non, ah oui, d'accord, mais pas la clé. Non, bon, je vais dire non, franchement, on s'est régalé quand même. Et je pense que les téléspectateurs aussi se sont régalés sur le plan de Julie Reynaud. Il nous fait rire. Voilà. Il t'en fait rire. Ouais. Ah ouais, c'est pour ça, Julie. Parce que je savais que tu allais le faire. Comment j'aurais fait? Bien évidemment. Tu fais de l'équitation en plus. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ce cylindre, le califourchon. Oui, enfin, bon. Alors, ici, dans cette cellule, vous connaissez la théorie de la relativité ou pas? Pas cette année. Bah, d'accord, pas bien. Mais vous allez voir, en fait, ça se vérifie assez bien ici également. C'est-à-dire que plus le temps s'allonge, plus les chances de réussite rétrécissent. Voilà. Et si vous n'avez pas tout compris, Cyril, lui, va tout de suite voir de quoi il s'agit. Pas besoin d'être Einstein. Ah, attention, oui. Cyril. Cyril, on se sent toi. C'est bon, je ne suis même pas la porte. Ça démarre très mal. Ça commence très mal, en fait. Attention. Allez, Cyril. Alors là, il va devoir faire preuve d'un travail organisé, méthodique, il va prendre toutes les clés. Prends toutes les clés qui sont attrape toutes les clés. On va se reculer un petit peu. Attrape toutes les clés qui sont en haut. Prends les toutes. Voilà. Et après, tu
utiliser ses bras. Ensuite, tu les... Non, il les garde, dans sa main. On les toutes. Et une fois qu'il aura récupéré toutes les clés, il devra essayer de mettre ses clés dans les trois serrures, puisque c'est à l'intérieur du coffre que se trouve la clé dont on a véritablement besoin. Alors, il faut qu'il fasse bien le tas des clés qu'il a essayées et de celles qu'il n'a pas essayées. Voilà. Organise-toi. Il faut s'organiser. Voilà. Dis-moi, ça m'inquiète un peu ce bruit-là. Non, non, tout va bien, c'est normal. La cellule commence à rétrécir, le plafond commence à descendre sur sa tête. Mais on va peut-être pas lui dire parce que ça va lui mettre de la pression. C'est bon, j'ai le temps là ou pas? Oui, j'ai le temps. Alors, il essaye bien les serrures. Souvent dans la précipitation, on prend pas totalement la serrure comme il faut. Et on passe à côté de certaines clés. C'est bon, j'en ai une. C'est bon, tu as le temps. Donc maintenant, il essaye que les deux autres serrures, évidemment. Voilà, il t'en reste 4. Plus rapidement, si c'est possible. C'est bon. C'est bon, super. Il en manque une. Allez. Allez, pour toi, celle-là, allez. Continue comme ça, il peut l'avoir. Ça va être la dernière, tu vois, ça va être la dernière. Donc, soit il a déjà essayé la clé, soit il en reste au plafond, ce qui est possible. Quelle année, là. Mais s'il en reste au plafond. Attends. T'en as pas oublié une? Non, alors bon, bah réessaye celle que t'as. Elle est forcément là. Et c'est dans la précédente. Il y en a une qui est par terre. Je crois que c'était la première qu'il avait essayé, ouais. On a eu une précipitation, il a pas bien rentré une des clés. Qu'est-ce que tu dis, Sly? Non, non, une clé peut pas faire deux serrures. C'est celle-ci? Vas-y, doucement. Il va sortir, là. Ouais. Non. Il commence à être claustro. Dites-lui de sortir s'il est claustro. Non, mais il essaye encore une ou deux. Elle est forcément là, la clé. Allez, encore une ou deux. Ok. Bon, et qui sort? Sors. Mais tu es sorti. Bravo. 203, franchement, non, c'est... Thierry, c'est dommage, parce que tu as eu le temps de toutes les essayer, donc forcément, t'as dû aller trop vite sur une clé. Et t'étais vraiment à deux doigts de l'avoir. C'est dommage. J'allais plus pouvoir jamais sortir de ma vie entière. On va retrouver Olivier. Oui, Sarah, bon, pour l'instant, on ne peut pas dire non plus qu'on les collectionne énormément, hein, les succès. Alors, je pense que Tomer va réussir à la vigie pour l'énigme du perso. Et vous venez me rejoindre. Et nous, on va retrouver Olivier au Carlet, on s'y passe partout. Allez. Journée sans soleil et pour le moment sans clé. Enfin, combien sans de clés? On a combien de clés? 3. On va faire un point. Trois clés. Il nous manque 4. Oui, il nous manque plus de la moitié. On va voir ce que Tomer va donner. Il nous reste, reste le temps qu'il nous restera. Ah, bon, le problème, c'est qu'on ne le sait pas. Tu sais, on fonctionne un peu à l'aveugle ici dans ce fort. La seule chose, c'est que je ne doute pas sur l'instant que Tomer va bien sûr résoudre l'énigme du perforat. Au cas où ce ne serait pas le cas, Cédric, prépare-toi. Ah, je t'en prie. La clé ira à la mer. Et regardons maintenant ce qui va se passer entre le père Fourat et le père Tomer. Je me demande quelle est la différence entre un humoriste et un comique. Ah oui, un humoriste manie l'humour, alors qu'un comique manie le comique. Alors quelle est la différence entre l'humour et le comique? Bon, allez, passons. Bien. Bonjour, Tomer. Je veux dire bonjour à Tomer, il y a toute la famille. Bonjour. Comment ça va? Ça va pas mal. Bien. Ouais. On ouvre les vannes. Vous pouvez y aller. La vigie est en hauteur, je ne risque rien. Allez, ok. Non, pas des petites blagues. Non, allez-y. Sérieux comme ça? Moi, je suis là pour récupérer une clé, donc... Vous avez raison, on n'est pas ici pour rigoler. Hein. Quoique, je risque d'avoir un fou rire tout à l'heure si vous ne trouvez pas, mais bon. Voici l'énigme. Quand on la met, c'est pour accélérer. Elle est semelle sous nos souliers. Dans la trousse des écoliers, elle sert à effacer. Qui est-elle? Je répète, on la met. Quand on la met, c'est pour... Une gomme. Voilà, j'ai senti que ça allait venir. Merci. Et oui, mettre la gomme, n'est-ce pas? On fabrique des semelles de gomme. J'ai hésité entre une voiture de location et une gomme. Et je pense que la deuxième solution était peut-être la meilleure, non? Bon, eh bien, écoutez, la voici, la clé en tout cas. Merci beaucoup. Allez.
Vous avez envie de rester encore un petit peu peut-être? Ma grand-mère vous adore. Oh, bah écoutez, ça me fait plaisir. Alors, j'aurais préféré que ce soit la petite fille, mais bon. Eh ben, il s'est pas effacé devant la gomme, en tout cas. Il est comique, hein. Il a de l'humour, ouais, il est comique. Une vraie nature, il faut bien le dire. Cédric, tu peux te déséquiper. On n'a pas besoin d'aller chercher la clé au filet. Tomer a été remarquable. Ensuite, passe-partout pour la suite. Allez, allez-y, les petits. Nous ne sommes pas encore au 7 dont nous avons besoin pour déverrouiller la porte de la salle du trésor. Louis, viens près de moi. Oui. Ah, mon cher Louis, nous avons prévu dans cette épreuve de te faire faire un peu de sport. Volontiers. Est-il essoufflé? Rassure-toi. Oui. Rassure-toi, tu risques de transpirer, certes. Mm-hmm. Mais on a tout prévu sur le fort. Tu as douche comprise. Magnifique. Tu l'auras après, tu l'auras surtout pendant, tu vas voir. Attention Louis. Bonne chance à toi, c'est parti. Allez Louis, allez, c'est parti. Allez, la première chose, on se rate le petit escalier. Non, le petit escalier. Louis, prends le petit escalier. Prends le petit escalier, Louis. Non, non, il était juste devant la porte. Reviens, reviens. C'est dangereux s'il monte par là, donc je préfère qu'il fasse le tour et qu'il emprunte le petit escalier prévu à cet effet. Prends le petit escalier. Une fois qu'il sera sur le tapis, vous la connaissez, cette cellule. C'est un grand classique de Fort-Boyard. Donc tu vas courir sur le tapis roulant. Voilà. Tu prends les sauts. Un rythme de croisière, il prend les sauts, il verse un minimum d'eau. C'est très très lentement quand il arrive au niveau du réservoir. C'est dommage de mettre de l'eau à côté. Alors, soit on l'aide, soit on marre. Essaye de garder un maximum d'eau dans le seau. Oui, 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 prends ton temps. Vas-y, tranquille, quand t'arrives pour reverser l'eau. Vas-y, attention. Tomer, pas trouver trop d'eau. Tomer, bravo. Laisse pas trouver trop d'eau. Vas-y, mon Louis, vas-y, vas-y, vas-y. Tranquille. Un seul saut à la fois. Ouais. Pas d'entrée. Ah ouais, donc ça, ça fait. Vas-y, t'as du temps, Louis, vas-y, vas-y. Tranquille. Il faut pas qu'il s'accroche. Ouais, t'accroches pas au saut. Vas-y, là, t'en as beaucoup, là, dans ce saut-là. Il est bon, il est bon. C'est une belle fournée. Tu es bien. Il arrive à rester debout, contrairement à d'autres. Oui, merci. Il passe tout le temps sur le... L'épreuve que j'ai ratée l'année dernière, je rappelle, à nos téléspectateurs, voilà. Vas-y, vas-y. Ah, t'es bon, là. Vas-y, Louis, continue. Essaye de trouver un saut, il y a du savon, tu fais une terre de coups. Vas-y. De toute façon, là, il a compris l'épreuve. Je pense qu'il n'y a plus rien à lui dire. Mais je pense qu'il faut regarder. Il a compris l'épreuve, mais il n'est pas très efficace parce qu'il met beaucoup d'eau à côté. Oui. Et vous voyez la clé sur un flotteur, ouais. Et c'est l'eau qui va permettre à la clé. Bon, il va l'avoir, il va l'avoir. Oui, essaye de mettre tout. Allez, lui, allez. Les sauts sont limités. T'accroches dommage. Pas aux autres sauts. Pas de la quoi. Alors, voilà, tu peux l'avoir. Il peut l'avoir. Il peut te mettre à la main, Cyril. Un bon saut et tu l'as. Tu l'as. Essaye de passer la main. Vas-y, Louis, c'est bon. Oui, il peut l'avoir, il attend ça. C'est bon. Et la sortie formidable. Bravo. Bravo. Bien joué. Bravo, Louis, les mecs. Terrible. J'ai des lentilles, je voulais dire. Ah, d'accord. Non, mais t'as pas dit gros mot. Elle est bonne ou pas? Elle est bonne, elle est bonne. T'es très beau quand tu sors de l'eau, t'es très très beau. Et Cyril a les boules. Bah oui, parce que je l'ai raté l'année dernière, cette épreuve. Et bien raté. Ouais. Ouais. Ça, c'est très drôle. Et on n'a même pas réussi à se moquer de toi, moi je voulais rire un petit peu et puis non. Non, 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 il était trop bien. Joli. Cinquième. Allez, on suit. Allez, on enchaîne. Bravo, 5 clés. C'est pour vous mettre encore plus la pression. Mais là, c'est bon. Et la boule. Bravo. Comme des boules. Allez.
Vous cherchez un peu la boule quand même. Ouais, parce que tout à l'heure, j'ai essayé de lui serrer la main trois fois d'affilée. Et trois fois d'affilée, il m'a regardé, il m'a fait non. Ah ouais, il est odieux, s'il plaît, odieux. Mais en fait, c'est un cœur tendre dans l'intérieur, mais il faut beaucoup gratter. Oui. Oui, bravo. Merci. Ah ouais, fier de toi. Oui, c'était dur, tu m'as dit. Puis ce qui est bien, c'est que tu es raccord avec le temps définitivement maintenant. Bon, alors, son tour de tête n'a plus de secret pour personne. Son tour de poitrine n'a plus de secret pour personne. Son tour de hanche n'a plus de secret pour personne. Son tour de poignet laisse encore certains un peu... C'est bien sûr de Julie dont il s'agit. Magnifique. Julie. Avec une menotte, tu vas cet instrument me permet donc de connaître tout de suite ton tour de poignet. Et ton tour de poignet fait du... Oh, oh, vous savez quoi? Il fait du une clé. Il fait du une clé. Ouais. Tu allez, vas nous la ramener. Bon, il est vrai. C'est parti. Bon, Sly, je trouve que tu n'as pas beaucoup parlé. Tu vas conseiller Julie. Ok. Alors, elle doit suivre le numéro avec sa menotte. Elle va rencontrer des petits obstacles comme là, voilà. Maintenant tout de suite, donc elle va dévisser. C'est quoi ça cette vis, cette énorme vis. Voilà. Elle n'est pas obligée à chaque fois de tout dévisser. Là, c'est quoi comme ça, ouais, super. Ok. Si, mais qu'elle perd pas son temps, une fois qu'elle réussit à passer la menotte, c'est pas la peine qu'elle enlève la vis. Ouais, vas-y. Continue comme ça, t'es bien là. T'as le bon rythme. Alors c'est pas la peine de lui dire parce qu'elle se débrouille bien, mais comme pour les spectateurs, c'est une cellule où elle risque d'être prisonnière. Vas-y, elle n'arrive pas à la fin du truc. Qu'est-ce que je dois faire là? C'est bon? Alors voilà, c'est comme ça, super, super. Ouais, tu as du temps encore, hein, ça va. T'as le bon rythme, franchement. C'est vrai que c'est une cellule où il ne faut surtout pas stresser le candidat qui est à l'intérieur. Voilà, des vis, voilà. Super, super, c'est bon. Il reste beaucoup de parcours. Là, il faut qu'elle accélère un petit peu. Je crois qu'elle a la moitié du parcours quand elle sera. Non. T'as le bon rythme, elle doit passer encore dans le bac à graisse, ressortir du bac à graisse, remonter. Faut qu'elle aille plus vite. Dépêche-toi, Julie. Ah. Là, il faut. Qu'est-ce que je fais de ça? Ça passe, Julie. Voilà. Il faut qu'elle soulève juste Soulève-nous le truc. Non, il faut qu'elle soulève le truc. Soulève la partie, la basse. Voilà, juste la partie basse. Dépêche-toi, il faut qu'elle se dépêche là. La basse, soulève là, voilà. Allez. Non, mais laisse-la délicieuse. Elle va courir en tôle là. Elle a roulé, elle a roulé. Je vais juste soulever le petit truc jaune. Elle est mal. Mal. Vite, Julie, vite. Vas-y. C'est fini, Julie. C'est fini. Julie, je le regrette parce que j'ai pas envie de rester juste avec des hommes là. J'ai un petit peu peur. Pour elle, faut même pas sortir. Bon, alors, c'est fini, c'est super long. Vous pouvez lui dire que c'est terminé, l'embrasser, l'encourager et surtout lui faire la promesse solennelle que vous allez venir la libérer cette nuit. Sly, non, tu peux pas ouvrir. Tu peux lui parler à travers la cellule. Et la boule, vous l'avez provoquée. Franchement, t'as été terrible là-dessus. Simplement, on n'a pas eu trop de chance jusqu'à l'heure. Et cette nuit, on viendra te libérer. Et plus, il y a affinité. D'accord. Julie, tu vas me laisser pas faire ça avec moi là. Non, salut Julie. Salut. On viendra te libérer, t'inquiète. Je viendrai te libérer, moi, sur mon cheval. Et bon courage, Julie. On suit partout, on enchaîne. Sois sympa avec Julie, la boule. Allez, on prend, on est. Bon, les mecs, on a 5 clés là. Allez, on va les avoir. Voilà. On a perdu Julie. Je crois que je préfère la faire. Allez. Voilà, on a perdu la seule fille du groupe. C'est pas grave, on va aller la libérer. Papa, je vous jure, hein, elle avait un poignet, elle avait un poignet à une clé, hein, je vous jure, mais bon. Écoute, Cyril, tu feras la fille. C'est très bien la libérer. Bah, déjà, ils m'ont donné un t-shirt rose, j'ai pas compris. Ouais, bah, elle parle pas des t-shirts roses. Oui, c'est très bien. Tomer, viens près de moi. On m'a dit, tu vas me confirmer ou non, on m'a dit que tu étais un homme très généreux. C'est faux. Ça se voit que tu me connais mal. C'est pas vrai. Ça dépend ce que tu me proposes derrière. Dis-moi, est-ce que c'est vrai que tu es un homme très généreux? J'en suis certain. Je vois ça dans tes yeux. Oui. C'est parfait. Alors laisse-la ta place à Sly. Je savais que ça te ferait plaisir. Tu sais, j'ai tenté une générosité totale. Je me dis, mais encore Tomer. Sly, voici un tube de plus dans ton palmarès. D'accord. Sly, celle-là, tu l'as bien. Attention. C'est parti. On va avec toi. Alors, tu dois remplir ce tuyau au maximum. Boucher ce tuyau avec la paume de tes mains et franchir tous les obstacles de façon à amener l'eau dans le réservoir d'arrivée. Okay. Vas-y, elle est pleine, tu prends ton temps. Alors, tu sur regardes le dos, le parcours. C'est plus simple. Sur le dos. Maintenant, il faut le sentir et chacun sa méthode. Voilà. Hein. Vas-y, n'aie pas peur au court-circuit, ça craint rien.
Voilà, c'est bon là. Ok, il a bien voilà, rempli super. Le réservoir. Ne lâche pas tes mains. Garde-le bien le tuyau hein. Eh, c'est cela, il est bon tuyau là. Bravo Louis. Ah mais je suis commis. Mais les bons cœurs. Et alors surtout, très important, Louis, tu peux lui dire, une fois qu'il arrive au réservoir, qu'il verse pas vite. Mais ouais, prends ton temps. Il faut y aller doucement pour verser. T'as vu, ça déborde sinon. Voilà, alors dis-lui ça pour son prochain passage. Parce que là, c'est dommage d'en mettre un. Allez, tu refais la même chose. Normalement, deux passages. Mais là, il va falloir trois. Slide, tu refais la même chose, mais tu verses lentement quand t'arrives. T'as entendu Slide ou pas? Tu peux en mettre plus, Slide. Tu peux en plus le remplir. Remplis-le davantage jusqu'au bout. Ouais, vraiment. Tu as le temps, on est à la moitié du sablier, là, ça va. Ce qui est sûr, c'est qu'il peut encore faire un trajet. Donc s'il ne perd pas une seule goutte, ça peut passer. Allez, perds pas de temps, hein. Parce que j'ai pas le sentiment qu'il en ait perdu beaucoup, beaucoup non plus, hein, sur le premier trajet. Allez, on est avec toi. Doucement. Bon, c'est bon, là, il a été bien. C'est rien, redis-lui. N'aie pas peur, lentement, tu lèves le tube. Tu lèves le tube au maximum, doucement. Tu mets tes mains, voilà, super. Voilà, doucement comme ça, c'est bien. Ça suffit? Non. Allez, reviens, encore un. Encore un. Ça c'est vous qui jouez. Allez. Si, il va y aller vite. C'est possible. Si, c'est bon, mais faut y aller vite. Mais moi j'ai peur qu'il reste. Allez, c'est bon, vas-y. Vas-y, on prend les risques. On prend les risques pour rien, mais non, il reste plus beaucoup de temps là. Sors. Il aurait pu, mais on va pas perdre un deuxième candidat. C'était très bien joué, c'est dommage parce que t'as raté le premier. Ouais, t'as visé trop vite. Normalement, c'est pas grave. Mais c'est bien, bien hein, tu t'étais très habile. Bien sûr, on est à combien. Et t'aurais voulu éventuellement aller au bout, mais on n'a pas voulu prendre le risque de te laisser. Ça fait rater la clique. Alors, passe partout. Là, on stagne. On passe partout. Allez, aide-nous, on peut. Ouais, cette fois-ci. On n'a pas voulu prendre de risques. Vous avez eu raison. Il vaut mieux sauver Sly plutôt que de perdre et la clé et Sly. Alors, bon, à cette heure-ci, vu la situation légèrement critique quand même que vit l'équipe et puis vu le temps surtout qui nous est tombé dessus, je suppose que vous faites tous partie, et Cyril certainement, de ceux qui aimeraient se retrouver dans un hôtel 4 étoiles. Vous savez que le tourniquet à l'entrée, le groom, le room service, tout ça. Alors, vous oubliez l'hôtel 4 étoiles, vous oubliez le groom. Vous gardez le tourniquet et c'est pour Cyril. Allez. Le tourniquet. Tu as raison. C'est parti. Cyril, c'est à vous. Le tourniquet, donc tu dois rentrer dans ce tourniquet. Tu dois soit te baisser pour lever les jambes. Qui se mettent en face de la vitre, donc il a repéré la clé, qui dévisse, il peut dévisser. Demain, en même temps. Avec les deux mains. Alors le plus compliqué, c'est de... Avec les deux mains, Cyril. Trouver un rythme de croisière, une fois qu'il l'aura trouvé, ça sera avec les vis. Et il n'aura qu'à se concentrer sur les vis et sur ses mains. Ce serait vraiment l'idéal qu'il... Allez, tu gardes le rythme. Avec les deux mains. Garde le rythme, tu te concentres sur les écrous. Parce qu'il y a un moteur. Donc... Tu te concentres sur les écrous, regarde les écrous. Et garde le move. C'est bon, ça va. Avec les deux mains, si tu peux. Oui, avec les deux mains. Avec les deux mains, si tu peux. Voilà, super. Il a le temps. Tu as le temps, reste concentré. Il n'a pas encore utilisé la moitié ou presque. Voilà, comme quand tu bricoles à la maison, pareil. Arrache la vitre! Il en reste une, c'est bon, il peut l'arracher là! Allez, arrache la vitre!
lâche la bite, la bite. Là, il faut qu'il sorte, là, il faut qu'il sorte. Allez, sort. Cyril, t'as eu une clé! Bravo! T'as réussi! Un mot pour ta maman? Maman, j'ai une clé! C'est bien! Je pourrais rentrer ce soir! Merci, Père Foura! Merci, Fort Boyard, pour tout ce que vous avez fait pour moi! Merci! Alors, c'est pas fini, il en reste une à récupérer, c'est bien joué! Bravo, Cyril, bravo! Super! Merci, clé! On va chercher la dernière, il en reste une! Si on arrive à avoir la prochaine, ça veut dire qu'il n'y aura pas de sacrifice! Allez! Non mais c'est bien. C'est incroyable ce qui t'arrive. C'est incroyable. Est-ce que tu penses qu'éventuellement le ciel serait avec toi? Non mais sans déconner, c'est la première clé que j'ai depuis la clé de ma chambre 243. L'hôtel à côté là. Bon, nous allons... À un moment donné on a hésité. On s'est dit mais si on les mettait tous dans cette cellule là parce qu'il faut être un peu fou pour venir sur le fort. Et puis on s'est dit non, c'est pas vrai. C'est Louis qui va certainement le plus facilement réussir cette épreuve. Je ne te crois pas. Et moi, j'y crois. Attention Louis. C'est la cloche, ça veut dire que c'est la fin du temps réglementaire qui vous avait été donné pour récupérer 7 clés. Nous en avons que 6, ça veut dire qu'il va devoir y avoir un sacrifice. Je suis un peu détenteur des règles du fort et je ne peux malheureusement pas vous accorder cette... Juste, je voudrais juste savoir. Tout le monde s'achète. Je voudrais savoir. C'est pas mal. Alors si, c'est même très bien. Attendez. Non, il n'y a pas de souci. C'est pas mal, mais ça veut dire qu'il y a un prisonnier. Il y a un sacrifice quand même. Vous allez donc avoir en tout 2 prisonniers pour cette nuit. Mais bon, allons-y. Si on passe partout, aux oubliettes. Allez-y. Allez. On va commencer à réfléchir à qui va se proposer pour aller rejoindre Julie en prison. Si nous sommes aux oubliettes, vous l'avez compris, c'est donc qu'il y a sacrifice. Car quand il n'y a pas de clé, c'est prisonnier sur le fort. Et alors, qui de vous va se proposer pour le cachot? Je pense que je suis un bon prisonnier potentiel. Tu te sens bon prisonnier, oui tu... Oui. Il n'y a qu'un problème, c'est qu'il a la phobie des rats. Ouais, c'est ça. À mon avis, il y a des rats. Mon avis personnel, je te vois bien dans les prisons. Oui, mais oui, je sais, oui, mais... Il y a Julie, tu pourrais la soutenir. Bon, passe-partout et passe-temps. Ouvrez les oubliettes et Cyril va donc faire son entrée dans les cachots. La boule. Sur la vie de tata. Allez, avec la boule, tu vas. Je suis avec lui. Oui. C'est bon, la boule. Montre-moi tes boules. Si tu danses avec la boule, tu peux. Hein. La boule, montre-moi tes boules. C'est bon. Elle me fait très peur, elle me touche les fesses. Mais c'est un malade, ce mec-là. Attends, je vais descendre sur la vie de tata, je vais t'éclater. À tout à l'heure, Cyril. Allez, adieu. Passe-partout, passe-temps. Vous pouvez refermer les oubliettes sur Cyril. Non. Les 7 clés sont à vous. C'est qu'on a les 7. Totalement. C'est le principal. Allons tout de suite à la porte du trésor. Allez. C'est pour vous réchauffer. Ouais, d'ailleurs, je vais rester à venir. Le temps n'a pas été avec vous, mais heureusement la force, elle, l'est restée, malgré tout. Vous allez déverrouiller la porte dans un premier temps et je vous explique ensuite ce qui va se passer. Allez-y. Il y a des tigres derrière là-haut. Hein ? C'est bon. Non, là c'est bon comme ça. Oh, j'allais ouvrir. Sly, il a peur de rien. Ouais. Non, c'est pas grave, les tigres, c'est un détail. Non, les tigres surveillent toujours le trésor. Ce sera pour demain, je l'espère pour vous, avec le mot-code qui vous permettra de remporter les boyards. Pour le moment, vous allez pouvoir prendre congé. Vous allez prendre une petite douche? Oui, tiens, par exemple. Le problème, c'est que les congés ici ne sont pas payés. Ils seront peut-être payés demain matin dans la salle. Suivez passe-partout et à tout à l'heure pour la nuit. Allez, reposez-vous bien. Au sec. Bisous.
ils ont démarré et j'ai vraiment cru à un moment donné. Ah oui, c'est bon ça. J'ai vraiment cru à un moment donné qu'ils n'allaient pas avoir de prisonniers et cette clé. Mais je me suis trompée. Vas-y vite et ne prends pas. Non, mais je suis bien là. Je suis obligée d'y aller. Ouais, je suis obligée d'y aller. Non, allez, reste, reste. Qu'est-ce que c'est ? Bon, alors on a une table aménagée pour nous là. Tiens, moi je prends les granits, moi. Hein ? Hop ! Donc c'est parfait. C'est chez nous là. Voilà. On est chez nous. J'aurais préféré prendre une douche avant, mais bon, on a la dalle. Alors ici, il y a pas de clé. Pas de clé de livre. Ah, une petite visite des lieux. On a prévu des lits, puisque vous savez, vous allez dormir ici ce soir. Mais avant de dormir, je vous propose du repos, c'est ce que je vous conseille dans un premier temps. Pas d'endormissement, parce que vous devez garder un maximum d'énergie. Vous avez Julie et Cyril en prison, et ça va être important de les libérer. Et à la nôtre, mais on a eu les 7 clés quand même. Alors trinquez, s'il vous plaît. Trinquez. Et puis une petite pensée à nos amis prisonniers. On a surtout réussi à s'en débarrasser. Je vais vous laisser juste une chose avant. Louis, oui. Quand je vais partir, tu iras dans la pièce d'à côté, tu vas découvrir un paquetage rouge. Ouais. Tu vas l'ouvrir, tu vas lire le mot qui l'accompagne et tu vas suivre les instructions. Okay. D'accord ? Et je vous laisse. Allez, bonne chance et à demain. Tout le monde. Merci, ciao, ciao. Ça perd les popettes. Bon, c'est toujours un privilégié, Louis. Alors, c'est un sac. Et qu'y a-t-il à l'intérieur ? T'attends. Pas été offert une tenue ? Attention, c'est pas un pyjama, je crois. Ah oui, c'est une combi de plongée. Dernière mode. Une combi de plongée avec les lunettes. Bon, il faudra que je récupère. Il faudra que je récupère le cristal, apparemment, dans la mer. Bon. Dans la mer, ouais. Okay. Prendre des forces. Ouais, tu sais nager. Je sais nager, ouais. Il y a longtemps que j'ai pas nagé, mais. Là, c'est bon, t'as mis un t-shirt tout sec. On nage dans le bonheur, c'est déjà pas mal. Dans la nuit, l'équipe doit affronter les maîtres des ténèbres lors des duels du conseil. Seuls les duels gagnés libèrent un prisonnier. Mais si les candidats n'en remportaient pas suffisamment, ils seraient contraints de choisir quel prisonnier ils laisseraient dans leur cachot jusqu'à la fin de l'émission. Cruel dilemme. Mais avant, les candidats doivent récupérer le cristal qui ouvre la porte du conseil. Pour cela, l'un d'entre eux ira chercher un code secret au fond de l'eau, dans les entrailles du fort. Soyez les bienvenus à la porte du conseil. Vous avez pu vous reposer un peu quand même ? Oui, ça va, on a bien mangé. C'est déjà ça. Alors, vous le savez, vous allez devoir récupérer le cristal qu'il a devant vous pour pouvoir entrer au conseil et libérer vos deux prisonniers. Pour le libérer, il faut un code, et ce code est composé de 3 chiffres. Et Louis, si tu es dans cette tenue, ce n'est pas pour rien. Effectivement, j'ai suivi les indications inscrites sur le parchemin. Ah, voilà, c'est que ces chiffres sont dans la caverne inondée et que pour y aller dans cette caverne inondée, le mieux c'est de suivre Passe-Muraille. Allez, on y va. Bonne chance à toi. À tout à l'heure, vous écoutez. Ouais. Et tu répètes plusieurs fois les chiffres.
en attendant. Quant à vous, vous allez donc devoir replacer chacun de ces chiffres dans l'ordre croissant pour pouvoir avoir le bon code et donc libérer ce cristal. Attention, au terme du temps qui vous sera imparti, le maître des ténèbres retournera le sablier et toutes les 30 secondes, vous perdrez une occasion de faire un duel, ce qui pourrait vous pénaliser pour libérer vos prisonniers. Concernant Louis, vous allez pouvoir le suivre donc sur cet écran et par le puits qui est ouvert ici, eh bien communiquer avec lui. Il vient d'entrer dans l'eau, allez-y, aidez-le, bonne chance à vous et peut-être à tout à l'heure au conseil. Allez, Louis! Alors, dis-nous, vas-y! Le 4! Le 4? Bon, ben, attends, c'est pas mal. Messieurs, bonsoir. C'est bien. On n'est pas là pour rigoler, vous avez raison. Sly, rejoins-moi. C'est bon. Bienvenue au conseil, Sly. Vous avez malheureusement pris trop de temps dans la caverne inondée pour récupérer les trois chiffres du code. Vous avez donc perdu une occasion de faire un duel avec l'un des maîtres des ténèbres. Es-tu prêt? Je te demande d'actionner l'une des manettes qui se trouve devant toi, vas-y. Et c'est Julie qui vient de sortir de son cachot. Voici des dominos de bois qui vous sont donnés à toi comme au maître. Vous allez les placer sur ce support de cristal. Le premier qui fait tomber un domino ou l'ensemble des dominos présentés sur ce support aura perdu le duel. La règle étant clairement énoncée, messieurs, jouez! Thank you.
elle est où la tête? Tu t'en ailles, toi. Tu peux pas te jeter, le pauvre. Elle est où la tête? Je passe en dessous quand même. Misérable maître. Bravo Sly. Tu as remporté le premier duel et donc une occasion de libérer l'un de tes prisonniers. Tu peux quitter le conseil et tu demandes à Cédric de nous rejoindre. Merci. C'est bon. Cédric, bravo. C'est à toi. Ouais. Bienvenue au conseil Cédric. Bon. La cellule de Julie a déjà été ouverte, il reste celle de Cyril. Tu peux actionner la manette, oui, je t'en prie. Il est en train de sortir. Il a l'air peu rassuré. Le premier duel qui a été proposé à ça a donc été réussi. Le deuxième est pour toi. Il y a donc une possibilité pour le moment de libérer l'un de vos deux prisonniers. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Voici des bâtonnets qui vous sont présentés à toi comme au maître. À vous de, à tour de rôle, en ôter un, deux ou trois au maximum jusqu'à temps qu'il n'en reste plus qu'un. Celui qui ôtera le dernier aura perdu le duel. La règle étant clairement énoncée, messieurs, jouez. C'est toi qui commence. J'arrive là. Tous les gens qui m'ont soutenu jusqu'ici, bravo pour tout ce que vous avez fait pour moi. Ben voilà, j'y vais. Thank you.
enlever là pour. Le maître de belle manière. Bravo, tu as remporté le duel. Maître, à la vie, je ne veux plus de la retraite. Tu peux quitter le conseil. Parfait. Tu demandes. Tu demandes à Tomer de me rejoindre. Oui. Oh, super, super, super. Franchement, c'est bon. Bah, toute l'équipe est. Tomer, je t'en prie. Génial. Bien, Tomer. Bienvenue au conseil. Vous avez déjà libéré vos deux prisonniers. Il vous reste encore un duel. C'est donc du temps supplémentaire pour la salle du trésor demain matin. Donc autant de boyards en plus pour l'association que vous représentez tous. Es-tu prêt? Ouais. Maître des ténèbres, je demande le jeu. C'est par ici. Approche-toi. Ce duel porte bien son nom. Il s'agit des boulets rouges. Tu vas devoir l'aider deux supports qui te sont proposés, tout comme au maître d'ailleurs, te saisir de cette boule rouge et la tenir bras tendu le plus longtemps possible jusqu'à temps que l'un de vous deux ne lâche la boule en question. Celui qui lâche la boule a perdu le duel. Vous avez droit à un premier essai pour simplement sentir la maîtrise de vos supports et du boulet. Allez-y, messieurs. Vas-y. Tu vois. Voilà, d'accord. Oh putain. J'ai compris, je dois passer par là en fait. J'ai compris sur la vie de Tana. C'est des malades mentaux de Fort Boyard. Bon prix pour un chien. Regarde ce qu'ils me font faire. Regardez, regardez ce qu'ils me font faire. Bon prix pour Lassie. J'ai l'impression que je suis kéblo après. Je suis bloqué après. Je suis mal de ma mère. Vite! Messieurs, jouez. Prêt? 3, 2, 1, levez. Bon, je suis kéblo. Hein. Ah! Sur la vie de Tata, il y a un serpent qui me regarde. Il y a un cul d'un serpent qui me regarde. Ah, je sais ce que je dois. Je vais passer ici maintenant. On prie pour un lion. Mais contourner l'obstacle. Vas-y, attaque mon pied, attaque mon pied. Non, mais qui fait serpent? Ça va, papa? Hein? Ça va, papa? Serpent, ça va. Ah, c'est pas fini, l'histoire? Il faut que je fasse ici. C'est fini, hein, m'appelez plus, hein, Fort Boyard. Que je fais. C'est des boules, c'est rien, c'est des boules. Merde. Je suis désolé. Le maître a remporté ce duel. Bon, le plus important, dirais-je, c'est que surtout vos deux prisonniers soient libérés. Ouais. Ce sera autant de force en plus pour vous tous, pour les aventures de demain. Tu peux quitter le conseil, Tomer. Bravo, quand même. Je suis au bout du rouleau. Oh putain, t'es là. Je suis au bout du rouleau. Attends, regarde ce qui nous attend. Sur la vie de ma. On repart. Attends.
Vas-y, montre-lui tes seins. Tu me donnes les clés ? Cyril, il me donne son dessert ce soir, t'as un tout petit peu mes frichons. Je peux te parler deux minutes ? La boule. Je te kiffe, mon frère. Je te kiffe, je vais te smaquer. La boule, amène-moi les prisonniers. Vas-y, smaque-le. Merci la boule. Il est gentil, Philippe. Ceci clôt le conseil. Merci, messieurs. Et pour certains d'entre vous, profitez de la nuit pour vous reposer. Oula. Oh. La boule. Hey, hey. Oui. Bravo. Content de vous retrouver. Alors, c'était cool. Aluna. C'était bien. Vous nous avez libérés. J'espère. Alors, il y en a un ou deux qui est libéré. Non, tu me charles pas. Mais en fait, maintenant, il faut qu'on choisisse. Un seul sur quatre. Ouais. Sur quatre et vous aurez choisi. Non, ouais, choisis d'en libérer un et on a tout foiré. Bon, moi, je reste avec la boule. Maintenant, il faut qu'on choisisse entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je reste avec la boule. Qu'est-ce qui se passe? On en est où? Ah, t'as aimé finalement la boule, hein? On est où? Moi, je reste avec la boule. Je crois que tu vas rester encore. Vas-y, boule. Il est pas tranquille, Cyril, et pour cause, car les cachots ne lui ont pas plu. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, une bonne nouvelle. Ils ont été formidables, vous êtes libérés. Tout non le bravo. La boule, tu peux libérer et Julie et Cyril. Non, je te fais un bisou. J'ai pêché la boule. Tu sais que ça peut te coûter cher, des trucs pareils. Allez, la boule, rentre au cachot. Bon. Bravo, vous avez été formidables tous. Vous avez réussi à rétablir l'équilibre dans l'équipe. Je vous laisse maintenant retrouver vos quartiers avec Passe-Muraille. Et reposez-vous sur Enzo dans le grand bleu. Thierry, je t'en prie, suivez Passe-Muraille et allez vous reposer. Bonne nuit et à demain matin. Ciao, ciao. Au revoir, Julie. C'est bizarre ce silence qui règne soudainement sur le fort. Ça m'angoisse. Mais elle a la toco avec la boule. Tu sais que j'ai ramené un petit tout. Moi j'ai ramené un livre pour ce soir, j'ai trouvé là. Je suis tranquille là, je peux te dire. Et là demain. Allez, Attends, je suis très inquiet là parce qu'il m'a fait comme ça, genre une petite tape amoureuse et genre on va se coucher. Allez, je lâche les deux. Non, je t'explique. Il y a quatre. Allez-y, j'en sais rien. Vous venez pas vous coucher? Si. Ça va, allez. Hey! Arrêtez-vous là. Hé, hé, oh. Hé. Ça suffit. Oh, arrêtez-vous. Ouais, Louis, ouais. Ça va pas bouger. Tu vas m'attaquer. Vas-y. Attaque-moi. Vas-y, attaque-moi. Je suis en position. Tu m'attaques, je suis. Et là, je bloque. Alors, est-ce que nos candidats ont été aussi dissipés hier soir qu'ils ont été hier après-midi? Je les ai trouvés un petit peu bruyants. Non, ils ont été concentrés puisqu'ils ont quand même sauvé leurs deux prisonniers. Ils ont gagné du temps? Ils n'ont pas gagné de temps, mais le principal, c'est que l'équipe est reconstituée. Donc, 6 candidats ce matin. Oui, totalement. Et toi, est-ce que et tu moi, as bien dormi? Oui, oui. Je sais que je m'occupe de ta santé. Mais je sais bien, et grâce à toi, je suis en pleine forme. Faut bien le dire. Presque. Allez, voilà ce qui arrive.
très bien. C'est, mais tu sais, c'est une bouche sans cheveux. Bonjour à vous, comment ça va? Bonjour. Bien dormi? Bonjour. Bien reposé? Bien. Oh là, petite mine quand même. J'ai entendu parler de 4h du matin. 5h. C'est petite nuit, ça. C'est beaucoup rapproché pendant la nuit, comme vous pouvez le constater. Les zygomatiques ont beaucoup fonctionné, quoi. Donc on s'est échauffé les muscles du visage à force de rigoler. Alors, comme vous pouvez le remarquer, le soleil revient lentement mais sûrement. Et comme une nouvelle ne vient jamais seule, et surtout une bonne, sachez que vous avez déjà gagné 3000 euros pour l'association. Ouais, super. Ça, c'est garanti. Ça, c'est réglé. Ouais. Les enfants du monde, droit de l'homme. Une autre bonne nouvelle, Thomas et Louis, vous pouvez suivre Passe-Temps, vous allez vous préparer pour la première aventure. Allez, et confiance. Vas-y, à tout à l'heure. Et encore une bonne nouvelle, c'est qu'on va pas tarder tous à y aller de toute manière et que vous allez être sollicités les uns et les autres, de près ou de loin, bien sûr, pour récupérer des indices qui vous permettront, je l'espère, donc de remporter le trésor de Boyard. Nous avons la cloche qui nous indique le début des aventures. Bonne chance à vous. Vous suivez Passe-Temps. Pour ouvrir le coffre qui contient le trésor de Fort Boyard, l'équipe doit composer un mot-code sur l'alphabet géant situé dans la salle du trésor. Chaque aventure que les candidats vont vivre leur permet de remporter un indice. C'est avec ces indices que l'équipe doit déduire le mot-code du jour. Comment ça va là-haut? En pleine forme. Bon. Allez. Aucune appréhension? Allez, montez. Bon, c'est une première aventure et forcément un peu humanité, on s'est dit, comme ils sont encore un peu endormis, autant en profiter pour qu'ils soient inconscients de ce qu'ils auront à faire. Et leur mission, s'ils l'acceptent et ils n'ont pas le choix, c'est donc de se lancer dans le vide et d'aller récupérer un indice qui se trouve en haut du mât. Heureusement que c'est pas moi qui plonge. Et ce code vous ouvrira donc la boîte qui est là avec l'indice. Les garçons, vous êtes prêts? Parfait. Allez, on compte mon sur Louis. Vous. Allez, mon Thomas. 3, 2, 1, go! Allez. On va aller laisser profiter de leur descente. Super. C'est la partie rigolote. Il reste la bêtise là pour amortir l'atterrissage. Devoir nager vers l'arrière du bateau, normalement vous avez un porte-voix qui se trouve là, vous pouvez l'utiliser pour leur dire. Déjà pour les encourager, leur dire bravo. La voix d'une femme, c'est important. Vas-y, en ce moment-là. Allez les garçons, Thomas a pris d'avance et donc a priori Thomas qui va monter en haut du mât. Il faut qu'il nage vers l'arrière du bateau parce que même s'il n'y a pas de vent, il y a quand même pas mal de courant. Il faut qu'ils aillent vers l'arrière. Ouais. En fait, l'arrière, c'est la petite échelle. Mais m'entendent pas là. Qui a une grosse voix? C'est... Ah bah oui, le chanteur. Chanteur une chanson. Faut que vous nagiez vers l'arrière. Vers la petite échelle. Vers la petite échelle, vas-y. Allez, chanteur, t'as chanteur pour dernier. Vas-y. Je m'éteins. Ça va pas les encourager plus que ça. Si, chanteur une chanson. Sérieux? Oui. Ma matière présoucée, ma colère vaincue, ne plus se disperser, ça les aide pas franchement. C'est quoi, tu dis? Vas-y, Thomas, vas-y, Thomas. Je vais prendre ça en concert, ça marche bien. C'est génial. Vas-y, mais parlez-le, à mon avis, faut qu'il y ait. Thomas est sur le bateau, il va donc grimper tout en haut du mât avec une petite échelle en corde. Une fois qu'il sera en haut, il va donner le code à Louis, qui lui-même le... Ouais. Alors, ce serait bien que l'un d'entre vous, Cédric, peut-être. Donc, c'est au millimètre. C'est au millimètre. Je vais te mettre en face du petit coffre et tu vas donc bien qu'il soit aligné. Bien aligné, ouais. Tu vois, c'est là-haut. Allez, Thomas, vas-y. C'est là-haut. Mais dans les temps, là, non? Ah oui, ils ont écrit. Pris le code en haut. C'est parce qu'il est prévu, parce qu'il y a un petit peu de vent, parce que ça fait mal aux pieds. Et puis surtout, il a tout ce qu'il vient de faire dans les pattes. Tu peux lui parler. Ouais. Vas-y. Ça, c'était bon, ça. Ça, c'était très bon, ça. Ça, c'est une bonne impro. Ouais. Panique pas, tout bien. Tiens, presque. Alors, Louis aussi, normalement, devrait avoir un porte-voix. Allez, on courage, les gars. Oh, le Thomas, allez, t'es un vrai
corsaire. Non mais j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Vas-y, tiens, prof. Attends, là, on va se taire, on va écouter. Allez, c'est bon, on est dans les temps, vas-y. Relax. J'arrive pas à voir. Là, je crois qu'il est dessus, Dis-lui qu'il est dessus, là. Merde, c'est bon 31-68 Attends. Bien en face, Okay. Ok, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bravo. C'est bon, bravo. Chanson. Je m'éteins comme une flamme. Lorsque j'entends ta voix, Louis. Il est magnifique. Bon, ben bravo, premier indice, vous démarrez. Allez, bien la matinée. Bon. Moi, je vous propose de continuer comme bon. Ça. Ça regarde, par contre. Regarde-le, ça regarde le pour toi. Non, pour Celui-là, il est bon pour l'Olympia, celui-là. Merci pour cette petite chansonnette du matin, Sly. On continue, on enchaîne passe-partout. On enchaîne passe-partout. Hein, c'est ma carte. On va pas t'enchaîner, hein, on va te suivre. Hop. Hop. En plus, on avait envie de le faire tous les deux, donc ouais. C'est super. Bravo. Un premier indice, une première cartouche. C'est pas mal du tout. Applaudissements pour les héros. Il va arriver par là. Attention. Bon, pas tout de suite. Le temps quand même. Mais le temps qu'ils reviennent. Attends, ils doivent revenir à la nage en plus. T'imagines quoi. Bon, alors ici, si on est dans cet endroit-là, Cyril, lui, ça lui évoque deux, trois souvenirs. Hein, avec Sarah. Avec... voilà, c'est ça. On n'ira pas plus loin. Sache, Cédric, que tu risques d'y faire des rencontres sympathiques. Voilà. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que Julie suive passe-temps pour se préparer pour la prochaine aventure. Tout de suite, Julie. On appelle un teaser. Courage, vous pouvez l'encourager. Allez, Julie. Te concernant, Cédric, ces rencontres improbables que tu vas faire ne doivent pas te mettre en émoi plus que cela. Sache deux choses. La première, garde ton sang-froid. Et la deuxième, souris, car tu sais que tu es filmé. Allez, attention. Allez. Passe-partout. Nous pouvons y aller. Parle-moi. Je te lâche pas, je suis toujours là. Fais une échelle de corde pour t'aider. Tu vas utiliser la petite échelle. Tu vas bien nous écouter. C'est bon. On va t'aider. C'est parti. Vas-y, au maximum. Attention à ton dos. Vas-y, mon chou. Bonne chance, Cédric. Merci. Allez. C'est parti. C'est la nuit avec lui, vous savez, s'il a peur un petit peu. Non, il a peur. Non, il est dans Je crois. C'est dur. Cédric, vas-y, rentre. T'es encouragé, allez, tu rentres. Avance, rentre dans la salle et soulève les serpents. Tu vas voir, il y a des trappes. Alors regardez, on peut faire une évolution ici. Rentre. Les serpents et sous les serpents, il y a des codes. Voilà. Il y a un code. Les codes se trouvent forcément sur des serpents, sous donc tu serpents. Dois les manipuler. Il faut que tu les soulèves tous. Regarde, là, il y a une trappe, là, juste devant toi, là. À sa droite. Voilà. Vas-y, soulève-le, lui. Soulève-le. Ah ouais, quand même, ouais. Soulève-le. Allez, tu y vas direct, maintenant. Tu commences à toucher et à les manipuler. Vas-y, direct à la hongroise, vas-y, comme tu sais. C'est pas appétissant quand même, hein. Allez, tu les touches. T'inquiète pas, vers les plus gros surtout. Prends le plus gros. Comer, Louis, venez nous retrouver. Vous allez suivre l'évolution de Cédric. Bravo, ouais, déjà. Bravo. Vous avez été de formidables nageurs, et toi, Tomer, un formidable porteur. Gros, il a rien. Vas-y, Cédric. Et toi, Louis, un formidable porteur de voix et de corps. Cédric, regarde alors, il y a des corbeilles, tout ça, où il y a des serpents. Cyril, tu sais, il faut que tu t'adresses plutôt dans la cellule. Cédric, il faut que tu les déroules, les serpents. Il faut y aller. Allez, retourne. Vas-y, mon Cédric. Tu perds du temps. Sur chaque aventure, il y a un temps qui vous est imparti. Quand le temps sera terminé, tu te retrouveras dans le noir avec les N'hésite serpents. N'hésite pas à le prendre. Si tu vois rien sur celui-là, change de serpent. Allez, Lagnac. T'as une autre trappe derrière toi. Mais en même temps, comme tu n'as pas regardé sur tous les serpents, peut-être que tu peux passer à côté du code. Ouais. Revois l'autre serpent qui était dans l'autre trappe. Revois celui-là et après tu reviens. Là, tu perds du temps, là. Vas-y, Cédric, prends les serpents, n'aie pas peur. Avec les deux mains, Cédric. Allez, avec les deux mains. Doucement. Vas-y, les petits aussi. Le petit rouge, là, je le sens bien, le rouge. Dépêche-toi, prends une autre. Le rouge, Cédric, je le sens. Il y a un truc, là. Le rouge, le rouge. Le rouge, il y a un code, normalement.
Allez, le rouge, touche le rouge, prends le rouge. Avec tes deux mains, avec tes deux mains. Attrape-le avec les deux mains et vas-y doucement, Cédric. Attrape-le, avec toute ta main. Vas-y, Cédric. Avec tes deux mains. Tes seuls doigts. Attends, prends-le. Là, tu perds beaucoup de temps. Cédric, on perd du temps, là. Cédric, vas-y. Allez, Cédric. Regarde-toi, montre-nous que tu es un homme 31, après 31, mais c'est avant, en premier 31 moi, oui, en premier, je pense. Bah non, okay, il veut pas passer passe à l'autre serpent, on trouvera, passe à l'autre serpent. 31 alors. 31, c'était 31. Au début ou à la fin, il faut être sûr, hein. Bah, je sais pas, j'ai pas vu les points. Bon, ah bah, mettez 31 points, au début, il verra sur le deuxième. Va au fond, là. Alors, avance. Allez, dépêche-toi. C'est trop tard. Cédric, tu as perdu énormément de temps, mais reviens nous retrouver. Il voulait pas les serpents, parce qu'il ne les voulait pas, je le savais. Voilà. T'avais peur un petit peu? Je t'ai senti très... Les petits sautent partout, c'est pas... Très inquiet à l'idée de les manipuler. C'est pas facile aussi. Hein. Non, mais attends, je suis pas en train de lui dire qu'il est nul. Il y en a qui rentrent même pas dans la trappe, donc c'est bien, tu es rentré dedans, tu les as touchés. À mon avis, t'aurais dû aller plus franchement sur les serpents, les prendre avec les deux mains, plus les manipuler. Non, mais eux non plus. C'est pour ça, tu sais, ils ont plus peur de toi que toi d'eux. Pas justement quelqu'un qui a peur. Ça sent la cartouche qui a explosé. Les serpents, je sens qu'ils vont venir nous retrouver, donc on suit passe-partout. On va y aller. On a un indice, il faut aller en récupérer encore. Allez. Allez. Parti. Elle est au-dessus de vos têtes, Julie. Allez, Julie. La voici. Allez, Julie, on est avec toi. Elle sait qu'elle est déjà très courageuse, rien qu'en étant comme ça, avec ses skis à peine posés sur le câble, parce que tu as vraiment peur du vide. Ouais. Le moins peur du vide. Bon, Julie, on va parler un peu ensemble avant que tu ne commences cette aventure. Avant toute chose, Cyril, il faudrait que tu ailles retrouver le père Foura avec Passe-temps, oui, s'il te plaît. Et puis, Sly, de ton côté, prépare-toi également courage, en toute Julie, fin d'aventure. Cyril, pour Julie, l'aventure suivante. Ouais, maintenant, parlons de Julie, puisque c'est ça qui est important. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, Julie. Ouais. Dans cette histoire de ski au milieu du fort, ce qu'il y a de bien, c'est que tu ne risques pas de te prendre un sapin. Et ça, sincèrement, c'est un point positif. Sapin, ouais. Maintenant, pour ce qui est du reste, c'est vrai que c'est un peu comme tu le sentiras et comme tu le pourras. Sache simplement que, regarde, je suis là-bas. Tu as un temps défini pour y arriver. Si tu le sens, bonne chance à toi. Vas-y, mets-toi bien sur tes jolies petites papates. Allez. Moi, Julie, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que tu ne risques rien. Aide-toi avec le bout-là pour te maintenir. Tu ne risques rien. Ça, c'est pour te rassurer. Ouais. Je risque rien. On ne prend aucun risque sur le fort. Le temps, il commence quand je me lève. Quand je dirai, c'est parti. D'accord. Si tu me dis que c'est bon, que tu es bien debout. Les jambes pliées. Pense à l'association. Alors au départ, tu as une corde qui va t'aider à évoluer, mais à un moment donné, tu seras obligé de la lâcher. À quel moment? Au moment où tu n'auras plus de jus. Donc ce que je conseille en règle générale, c'est de la lâcher avant pour s'habituer, mais ça, c'est toi qui vois. La cartouche. Alors attention, Julie. 3. 2. C'est parti. Allez, Julie, allez. Donc les garçons, regardez la cartouche dessous. Allez, cet endroit-là. Prends la corde et tu avances. Avance, plutôt tranquille. Le corps en avant, les jambes pliées. Vas-y. Regarde la cartouche. Plutôt la cartouche. C'est très bien. Écoute, tu commences très bien. Continue comme ça. C'est bon, tout va bien. Alors, c'est vrai que la grande difficulté de cette aventure, c'est qu'en général, les candidats... Et là, j'ai quoi comme temps? J'ai beaucoup de temps. Et je peux pas, j'ai les jambes qui tremblent trop, là. Pas du tout, la tâche. Allez, tu continues, respire. J'y arrive pas. Si, tu vas y aller, allez. Julie, écoute-moi. Julie, écoute-moi, pense à respirer, je te jure, c'est super important. Pense à la situation aussi. Mais elle est bien là, hein. Allez, c'est bon. Ah, j'y arrive pas. Si, allez. Julie, tu avances très vite. Enfin, moi, j'ai l'habitude et je peux te dire que tu as t'es nickel. Bien démarré. J'ai des jambes qui tremblent trop, là. T'es nickel, c'est Julie, t'es de la bombe. Eh, t'es la meilleure. Ça tient, c'est pas ta faute. T'es de la bombe, Julie, t'es de la bombe.
C'est bien, ouais, t'es venu bien. C'est cool, t'es mortel, ça fait un bon rythme. Tu devrais commencer maintenant à t'habituer à lâcher la corde. Ah non, non. Je la lâcherai pas, d'accord, je vous le dis, je la lâcherai pas. Ah non, je vous le dis tout de suite, je la lâcherai pas. Non, je peux pas la lâcher. Julie, je peux pas la lâcher. Je peux pas. Julie, la corde, je vais vous servir. Avance. Attendez, laissez-moi juste lui dire quelque chose. Laissez-moi juste lui dire quelque chose. La corde, elle t'aide psychologiquement, c'est tout. Non. Je te confirme que c'est pas psychologique. Hein. C'est psychologique. Elle t'aide. T'es nickel, Julie. T'es nickel. Continue. Et de toute façon, tu vas être obligée de la lâcher un moment. Non, je la lâcherai pas. Alors, je m'en fous, je la lâche pas. Il y a plus de corps. Non, c'est bon, t'inquiète. Allez, mais tu sais, Julie, tu auras plus d'équilibre une fois que tu l'auras lâché, la corde. Ah, bizarrement. Et reste un petit peu sur place, tu verras. Non. Lâche la corde. Non, je peux pas. Julie, t'es bonne là, t'es bien. Allez, super. T'es bien là. Continue, Julie. T'as extrêmement bien évolué, ça serait dommage. Ouais, bravo. C'est bien, continue. Allez, continue. Fais attention à ta... Le corps en avant. Voilà, super. Fais attention à ton ski. C'est bien, c'est génial. Allez, tu continues. C'est super, là. Voilà, c'est parfait. Super, lâche pas le morceau. T'as fait plus de la moitié du chemin, tu vas y arriver. Allez, on est avec toi. Allez, faut se dépêcher maintenant. C'est horrible. T'es pas loin. C'est très difficile. Ouais, super. Tu as été très loin, là. Prends-moi les candidats en règle générale, ils bloquent dès le départ. On la refait, elle était pas bonne. On la refait. Tu repars là-bas, s'il te plaît. J'ai une soif. bravo à toi. C'est pas du tout évident. En plus, t'avais les jambes qui tremblaient. T'as su maîtriser ton stress. T'as réussi à lâcher cette corde. Saute. Je crois que ton équipe est très fière. Oui, moi aussi. Très fière de toi. Maintenant. Tu sais quoi, notre équipe va venir s'occuper de toi et nous, on va enchaîner. Avec Passepartout, tu vas te lâcher, lâche-toi. Ça, c'est la deuxième aventure. Allez, lâche. Il y a une deuxième, c'est deux en un. La deuxième aventure, c'est quand tu commences à te lâcher. Voilà. Je suis pas sûre qu'il va y aller. Allez, vas-y, Julie. Lâche-toi comme ça. Lâche-toi. Voilà. Oui. Allez, on suit Passepartout, on se dépêche, on enchaîne. Bravo. Bravo, super. Vous voici parvenu au sommet du fort. Vous allez voir, c'est un peu comme la montagne, c'est beaucoup d'efforts pour finalement très peu de temps en haut. Profitez bien de la vue. Ça va, Père Fouin ? Ça va bien. Et vous-même ? Soyez gentil, bradez les clés, là, bradez un peu les clés. C'est pas une clé, là, c'est un indice pour le coup. Autant pour moi. Voici les trois définitions. Première définition. Mon indice a pris la place de la Bastille. On est moins volubile, là. Oui, il y en a trois, non ? Oui, mais vous pouvez déjà proposer. Oui, deuxième définition, mon indice peut être civil ou militaire. Alors L'armée ? Eh bien, on va aller directement à la troisième définition. Oui. Mon indice a élu domicile dans une lampe. Les trois ensemble, ça fait... Une lampe a élu domicile dans une lampe. Écoutez, mon petit Cyril, je pense que vous allez garder tout ça bien en tête. Vous allez descendre, suivre pas ce temps. Pas encore. Continuez à réfléchir. Vous avez encore une chance de trouver. Mais quand ? Allez, là, par exemple, en commençant à descendre les escaliers. Bon, voilà. Mais réfléchissez. D'accord. Ah là. Je le dis toujours, la réussite, finalement, c'est se relever une fois de plus qu'on est tombé. Va-t-il se relever, ça ? En cela, on ne sait pas encore exactement ce que Cyril a donné à la vigie. On va le savoir dans un instant concernant l'énigme. Ton équipe est à quelques mètres de toi. Ils vont donc te voir dans tes œuvres. Ce sont les planches.
tu as l'habitude d'être sur scène, voilà. C'est voilà, un rapport bien, presque évident avec ton activité artistique. Tu vas donc devoir retrouver des chiffres qui te permettront à ton équipe de retrouver donc la cartouche qui est dans le coffre près d'eux. Bonne chance à toi, Sly. Va rejoindre Antoine qui va maintenant te sécuriser de manière à ce que rien ne t'arrive de grave et de dangereux. Bonne chance. Tu avances tranquillement. Ouais. Suivant ce petit chemin. Bonne chance, Sly. Bon, Cyril, en attendant que Sly prenne place, est-ce que tu as trouvé le mot chez le père Foura? Je suis encore dessus, là. Donc, tu n'as pas de confirmation du père Foura, tu ne l'as pas trouvé devant lui. Je n'ai pas de confirmation du père Foura. Mais en revanche, tu peux dire ce que tu as entendu bon, alors, à ton équipe. Explique. Mon premier... Non, bon, il y a eu mon premier... Tu sais ce que je te propose, Cyril, on va quand même encourager Sly. Et après, on en parle, d'accord? Allez, vas-y, Sly, tu descends la petite échelle et après, tu te lances sur les planches. Il va utiliser Il faut que tu prennes la poignée, la main courante. Voilà. Il va utiliser une main courante. Ça va aider à se stabiliser. Il va devoir évoluer sur ses planches. Il va rencontrer deux portefeuilles en bois. Le code est inscrit en deux parties. Donc maintenant, vous avez l'habitude. Oui. Le code, on le fait sur le coffre. Et on espère que la cartouche n'explosera pas devant nos yeux. On espère aussi. Ah oui, il va y arriver là. Oui, mais je crois qu'il a peur de rien. Sly, que son effort. C'est ça, hein? Bravo Sly, bravo. Ralentis, tu vas les ridiculiser sinon. Faut qu'il y ait du suspense quand même. Alors Cyril, je suis à fond dedans. On encourage Sly. 1, 2, point. D'accord, 1, 2, ok. Bravo Sly. 2, point. Bon, ok. Vas-y, avance. Le portefeuille, je trouve sur la dernière planche. Tu évolues très vite, très rapidement, et ça, c'est très bien. Ouais, va vite, si tu peux. Tu évolues bien, mon Sly. Nickel. Il a pas l'air impressionné du tout par le jeu. Déjà, il est super concentré. Il a du tout par contre. Mais c'est comme ça, je suis obligé qu'il fasse quelque chose comme ça. Il est pourtant. Il a la même chaussée, lui, dans son salon. Comme ça. Il a une mezzanine, et donc, pour aller dîner, il va comme ça. Ah non, mais t'as quelqu'un, monsieur. 5-3. 5-3. 5-3, tu peux dire 3. T'es une bombe, Sly. Reste là, bouge pas. T'es une bombe. 5-3. Sly, t'es le meilleur. Bravo. C'est bon. Troisième indice pour vous ce matin. Allez, saute! Il était quand même à 20 mètres du. Il était quand même à 20 mètres de hauteur. Génial. Oh, qui l'a mis dans les. Bravo, Sly! Ok, saute! Allez-y. Un passe-partout. Et bon, il faut qu'on parle de mon indice, moi, du père Foura. Alors, ce que je vous propose, c'est de suivre passe-partout et on en parle en bas. On en parle en bas, mais on en parle très vite. On va en parler déjà sur le chemin. Alors, je vous explique. Mon premier indice a eu domicile dans une ampoule. C'est quoi? Allez, venez vite devant la porte du trésor. Avec vos cartouches, nous allons pouvoir les ouvrir maintenant et découvrir le contenu de chacune d'elles. Allez-y. Tomer, prends-en une déjà. Dégoupillez-les. Vous mettez tout ça dans la salle du trésor. Vous ouvrez vite les cartouches, vous me donnez des petits morceaux de papier. Alors, est-ce que vous avez une piste maintenant chez le père Foura? Foudre. Donc vous pensez à quoi? Moi je pense à baïonnette. Ouais, c'est pas mal baïonnette. Foudre, pâtisserie, éclair. Éclair. Vous êtes sûr? Je vais pas le confirmer avec un sac. Attends. C'est quoi? Allez, foudre. C'est éclair. C'est éclair. Ça correspond à peu près. Oui, éclair. Qui fait quoi? Alors, c'est. Yes, Sly. Allez, c'est L-A-I-R. Attends, c'est quoi? E-C-L-A-I-R. Allez, éclair, je te mets à la page. Je pense avoir trouvé. Ça me paraît logique, mais. Ça va? Vous êtes sûr, vous voulez pas le confirmer? Sûr, c'est bon. E-C-L-A-I-R. 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 Cyril! Allez-y. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit de pas sauter.
stop. C'est bon. Et... Ah. Alors, c'est bon. C'est bon. C'est bon, L. C-L-A-I-R. Ah. L, c'est bon. Les mecs, vous êtes sûrs? C'est bon. Mais quel... C'est bon. Allez, hop, c'est bon. C'est bon, Félindra. Tourne la tête. Vas-y. Félindra, tête de tigre. Les mecs, je suis très inquiet. Allez pour l'association. Allez, venez. Venez. On ramasse pas. Quand la porte s'est refermée, on ne peut plus ramasser. Bravo. Venez. On a été sympa. Allez à la pesée. Bravo. C'était bien joué. C'est très bien joué. En plus, vous étiez 6. Vous allez maintenant à la pesée. On va voir combien vous avez ramené. Non. Passe-partout et passe-temps vont s'en charger. J'ai l'impression qu'on a rien pris. Moi aussi. Ah ouais, moi aussi. Oui, tu te mets en face, Julie aussi. J'ai l'impression que j'ai pris le porte-monnaie de ma grand-mère. C'est limite. Non, vous avez été. Non, attendez, vous avez été par rapport au temps qui était le vôtre, vous avez été plutôt très performant. Et 6. Aucun sacrifice. Et de plus, 6. Revenons d'abord sur les mots. Alors, Cyril. Moi, je pense que j'ai trouvé l'indice du perfora. C'était quoi? Grâce à l'aide de Louis. Je pense que c'était résistance. Absolument pas. On ne parle pas comme ça, Pina. C'était génie. Ah oui? Génie, ouais. Génie, avoir un éclair de génie. Ah oui, un éclair. C'est avoir soudainement une idée très brillante. Jusqu'à trouver baïonnette à un moment. Tu es un artiste génial. Pâtisserie, l'éclair bien sûr, est un gâteau. Foudre, l'éclair est le phénomène lumineux qui se produit lorsque la foudre frappe la terre. Et rapide comme l'éclair bien sûr. Alors voyons maintenant avec passe-partout et passe-temps ce que cela donne. Attention. Chaud devant. Ça m'a l'air bien lourd tout ça quand même. Hein. Ah ouais, vous avez bien ramassé, voyons ça. Sur le terrain. 13 940 euros. Bravo. Ça s'applaudit. Allez, on s'embrasse. Bravo. Bravo en tout cas, merci d'avoir été avec nous et on est très heureux de vous avoir compté parmi les invités du fort pour cette aventure. Vous en êtes bien sortis. Et puis à bientôt pour ce qui est de Sarah, bien sûr, de Passepartout et de Passe-temps. Merci pour votre accueil. Merci à vous. Alors, on va quand même parler de l'association. C'est vrai. 13 940 euros destinés aux enfants du monde. Louis, tu nous en dis un petit mot rapide. Oui, et une ONG qui existe depuis bientôt 20 ans, Enfants du monde, droits de l'homme. Elle existe dans plusieurs pays en guerre ou victimes de catastrophes naturelles. Donc, ils ont mis en place tout un système de développement et d'action en faveur des enfants. Désolé, je suis essoufflé. Et ouais, et c'est fort, Boyard. Je suis content d'avoir fait ça pour l'association. Et franchement, j'espère que vous êtes bien amusés. Ah, on s'est éclatés. Vous avez bien joué. Et ce,
et là, dans la salle du trésor, vous étiez 6. Je pense qu'on a bien réparti. Dis-moi, dis-moi, ouais, c'est et vous avez eu beaucoup de chance sur le mot. C'est bien. Je trouve. Comment ça, beaucoup de chance? Oui, beaucoup de chance. Est-ce que vous n'avez pas fait de sacrifice et que c'est très rare? En règle générale, du génie, du talent. Si ça fait plaisir de t'attribuer tous ces qualificatifs, ne te gêne pas surtout. Plein de baisers aux enfants, aux parents et aux grands-parents. Vous pouvez saluer les enfants. Salut. L'important n'est pas de participer, mais de gagner des moyens. Et une fois de plus, c'est chose faite. À bientôt pour de nouvelles aventures. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort.